Bonjour à tous, c'est Alexandre The Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PES 2016 version Euro 2016. Et oui, j'ai acheté ce jeu, même si j'aime pas PES. C'est une version où vous avez tout le contenu PES avec le DLC en plus. C'est une version boîte. Bon, moi j'ai juste pris cette version pour l'Euro 2016, en réalité, PES, je m'en fous, mais j'avais pas le choix si je voulais faire 7 Euro 2016. Donc, au cas où, si vous l'avez pas compris, c'est une série, hein. Je vais vous montrer la difficulté si je peux. Voilà, donc je joue en amateur, donc. Ce qui équivaut au niveau semi-pro de FIFA. J'ai décidé de faire des mi-temps en 6 minutes pour que la vidéo soit pas trop longue. Et voilà. Donc, en gros, c'est tout le jeu qu'ils vous font à 29€. Sauf qu'il y a le contenu DLC de l'euro en plus. Et voilà, donc pourquoi j'aime pas PES, mais pourquoi j'ai pris ce jeu? Bah, je préfère FIFA au niveau gameplay, très clairement. Mais pour faire 7€, il n'y avait pas le choix. Donc je me suis plié. Donc désolé si j'ai pas un gameplay flamboyant, parce que c'est parce que j'y suis pas habitué, tout simplement. Je suis plus habitué à FIFA, mais là. PES a pris la licence de l'Euro 2016, donc j'ai pas eu trop le choix. En tout cas, j'espère que cette mini-série vous fera plaisir. Si je suis éliminé, bien sûr, je recommence pas un euro, sauf que j'en ferai un, mais pendant le réel euro. En gros, j'en ferai deux. J'en fais un qui s'appellera avant l'heure de l'euro, l'euro avant l'heure, et un pendant l'euro. Donc voilà. Il y aura deux séries sur l'euro. Allez. Sur ce, c'est parti, on y va. Alors, comme je le répète, hein, j'ai pas l'habitude du gameplay PES. Donc. S'il y a des trucs que je fais mal ou quoi, j'y peux rien, quoi. Donc vous voyez, c'est réellement la vraie présentation de l'Euro 2016. Hein. Dans les couleurs, tout ça. Bon, allez, on passe. Allez. Premier ballon pour l'équipe de France. Bakary Sagna. Pogba. Oh. Ça passe pas. Y'a bien joué. Oh non. Ça passe. Antoine Griezmann. C'est raté, mais ça repris par Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, la frappe! Décidément, 7 euros qui commence. Pas mal du côté français. Attention à ne pas tergiverser. Ça serait nul de faire un match nul contre la Roumanie, très clairement. Mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Pour Giroud qui tente la frappe. Ah, il a pas frappé.
Voilà. Allez, on accélère. Ça passe. La frappe de loin pour le premier but de cette Euro 2016. Signé Matuidi. Oh, quelle frappe. Quelle fucking frappe. Oh, quelle frappe. Eh bien voilà, l'équipe de France ouvre son compteur. 27ème minute de jeu. Allez. Diarra. Ah, la Roumanie. Avec Chipsy. Ah, je connais pas trop les noms romains, excusez-moi. Max. Kesserou, le Nantais. Il est venu chez nous. Kesserou. Attention, ballon dans les mains romaines. Et on tac. C'est bien. On s'est sorti de cette impasse. Oh, la passe. Bon, en tout cas, j'espère que cette série hein, vous plaira. Et je suis désolé, hein, je suis pas un pro PES. Ni un pro FIFA d'ailleurs. C'est que je préfère le style de jeu de FIFA, mais comme je dis, pour cet euro, j'avais pas le choix et j'avais vraiment envie de faire un euro en votre compagnie. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Et l'équipe de France mène. Toujours 1-0 par l'intermédiaire de Blaise Matuidi. Ça y va les passes. Ça y va. Ah oh, dommage. Oh mais ça reprit. Non. C'est dommage qu'il n'y ait pas toutes les licences des stades de l'Euro 2016, mais bon. On va faire tout comme. C'est le gros point noir que je donnerais au DLC, c'est que ils ont su acheter la licence, mais pas la licence des stades de l'Euro. C'est ça qui. Je me chagrine un petit peu perso. Allez, on se reprend là, putain. On se reprend. Oh. Ouh, c'est assassin ça. Ouh. Ah, faut que j'arrête, c'est pas sans profondeur. Ça passe pas dans les pieds. Blaise. Oh. Pour le deuxième but peut-être, non. Oui, pour le deuxième but. Encore. Et non, c'est pas Matuidi, c'est Anthony Martial qui met ce deuxième but, donc qui permet à l'équipe de France de mener 2-0. Regardez cette action bien amenée. Le Roumain qui essaye de reprendre le ballon mais qui s'amène les pinceaux. Hop, et dans les pieds d'Anthony Martial. Ça fait 2-0. Et ben l'équipe de France commence plutôt bien son euro chez elle. Hein.
Ça y est, je commence à prendre le gameplay en main, ça y est, ça y est. Oh, c'est le Varane. Bien vu ça les gars. On continue. Voilà. Ah dommage. La passe en profondeur. Au-dessus pour Giroud. Je crois que c'est Giroud, attendez. Ouais, c'est Giroud. Comme d'habitude. Hein. Ça fallait être le 3-0 d'emblée. Magnifique jeu que nous propose l'équipe de France. Un petit 2-0, mais c'est 2-0 quand même. Et ça va être fini bientôt. Et voilà, fin du match. Donc je le remporte 2-0. Donc si la vidéo vous a plu et si le format des matchs vous plaît en 2 fois 6 minutes comme à la FIFA, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous voulez des formats de 2 fois 10 minutes. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Alors que je suis deuxième, on peut le voir. Donc on va voir contre qui je vais tomber. Je crois que c'est l'Albanie la journée 2. Voilà. Donc on se laisse là-dessus. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le match contre l'Albanie. Allez, salut les gars, à bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le nombre de minutes par match. Allez, salut.